News. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du moment. Mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'un challenge Sims se prépare sur ma chaîne. Donc ce sera le challenge de la veuve noire. Et besoin que vous alliez sur mon blog pour que vous votiez pour votre favorite veuve noire ou celle que vous pensez que vous allez gagner. Bref, tout est expliqué sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos au cas où. Et je vous remercie. Donc maintenant, on passe à la vidéo. Donc, on va commencer avec mes histoires favorites. Le premier blog que je vais vous présenter, c'est en fait pas vraiment favori du moment parce que ça fait déjà quelques années qu'il existe. Mais je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai toujours autant apprécié. Donc c'est In Tenebris by Azriel et White Scorpio. C'est une histoire du genre horreur où un père et sa fille sont bloqués dans un village d'une façon assez étrange et où les enfants se transforment un peu en espèce de zombies. Bref, si vous aimez le film Silent Hill, je vous invite vraiment à aller sur le blog et de lire ça. Moi d'ailleurs, j'attends la suite depuis un petit moment, donc... Azriel, White Scorpio, vous attendez quoi? Deuxième histoire que je vais vous présenter, c'est La Sphère, donc qui est sous un format vraiment très original, sous forme de BD un peu interactive. J'avais jamais vu ça. Donc le protagoniste est un journaliste appelé pour aller voir une invention scientifique et ensuite en faire un article, mais tout semble assez étrange. Après mes histoires favorites, je vais vous parler de mes trouvailles sur internet, donc des sites web. Il y a déjà le forum Sims Artist, donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Puis il y a aussi le site Cinématographie qui organise tous les ans le festival des films Sims. Le prochain est d'ailleurs en septembre. Si vous voulez que je vous en parle plus précisément dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut aussi d'ailleurs des magazines assez intéressants qui parlent d'un peu de tout et avec de très très jolies photos. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre, ils sont en anglais. Le dernier point que je vais aborder, c'est les séries Sims. Le premier que je vais vous présenter et qui me fait bien rire, c'est la famille McAdams. Donc en gros, bah, comme le dit bien le titre, c'est la famille Adams des temps modernes et avec énormément d'humour. Ma famille, c'est un peu comme lors d'une élection présidentielle. Tout le monde se tire dans les pattes. Il y a ma mère, maniaque du rangement et de la propreté. Elle ne supporte pas qu'on ne tire pas la chasse après un passage aux toilettes. Ensuite, il y a mon père. C'est un PDG. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Il passe son temps dans son entreprise de voitures. Seulement, il arnaque tous ses clients. On a beau dire, c'est surtout un putain de gangster. Je ne vous ai pas encore parlé de grand-mère. On l'appelle Mémé, mais c'est une sacrée enjôleuse. Tout lui est passé dessus, sauf le métro. Quoique, elle a un penchant particulier pour Gérard, notre facteur. Lui, il le remarque bien. Et ça ne le gêne pas plus que ça de se taper une cougar. Et enfin, vous avez mon frère. Il ne manque pas d'idées pour inventer de nouvelles conneries. Se faire coller toutes les semaines. Pour faire rager maman. Et moi, dans tout ça, je suis ce qu'on pourrait penser être la plus gentille personne de la famille. Ensuite, j'aimerais vous présenter la chaîne de Studio FS3. Qui a une série Sims nommée Maléfice, qui est une série horreur tout simplement. Et en passant, je vais faire une voix d'un personnage dans la série, et plus précisément d'une petite fille adolescente, on va dire. Donc quand l'épisode 2 sortira enfin, vous pourrez entendre ça. Là aussi, une mini-série nommée What the Fuck, avec des vidéos de 30 secondes maximum qui sont vraiment drôles. Elle est jolie, ma poupée. Non, la mienne, elle est plus belle. La mienne. Pourquoi tu veux être la meilleure tout le temps? Parce que je m'aime. Tu penses qu'à toi. Ouais, je sais. Meurs.
Dernière chaîne que je vais vous présenter, c'est DNL Films, et plus particulièrement la série Unbreakable Fates, où des explorateurs, entre guillemets, sont envoyés en mission dans un lieu inconnu, mais où il y a plein de phénomènes étranges, où on découvre des complots, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça. Les vidéos sont magnifiques, avec une très jolie qualité. Seul X est en anglais, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, désolé encore. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez d'autres séries Sims, films ou histoires qui sont vraiment bien, vous pouvez me le dire en commentaire et j'irai voir ça de suite. Et on se retrouve donc bientôt avec la prochaine vidéo. Et donc la prochaine vidéo sera le Challenge Sims, la veuve noire. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !